Yo la team, bon, c'est quoi ce drama là sur moi là, à cause d'un mec sur YouTube qui a fait une vidéo. Forcément, il a fait sa vidéo comme il a bien voulu la faire, en mode bien monté, bien scénarisé. Il a pris la seule vidéo fake de ma chaîne où j'avais expliqué à l'époque, j'avais fait enfin un live sur TikTok et aussi des stories Instagram. Vous trouverez du coup si vous voulez les séquences. Je suis avec le poteau Rudolph qui lui connaît mes capacités. Moi, je le connais il pour sait de vrai. Comment je mange. Tous mes abonnés c'est pareil, donc là forcément j'en suis une haine, enfin entre guillemets une haine. Je sais pas, un défouraillement de haine et de messages, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, même Facebook et autres. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, qui a des coronesses. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch, oui, Twitch, le Christian Twitch. Dimanche vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais direct, pas quoi. Direct. Pour peut-être dire ouais genre finito machin et tout. Ce que je vaux, alors, je pense, là, j'ai pris du fat, je suis gras. Du coup rendez-vous sur Twitch dimanche vers 20h et vous verrez qu'il n'y a pas de... Exact. Parce que lui il a fait franchement une vidéo, franchement j'ai fait la vidéo. Hein. Sur ce qu'il dit, il y a 9 choses sur 10 qui sont archi fausses et une chose sur 10 qui est vraie, à savoir le fait de la vidéo Ibra TV. J'avais fini malade, bah, ça c'est juste qui arrive. Et comme c'est un important produit pour l'aspirateur Roborock, je ne pouvais pas la supprimer. Il y avait un contrat. Professionnalité, contrat, ça sera un peu compliqué. Bref, rendez-vous dimanche, j'arrête de parler. Soyez prêts, ça va être énervé. Twitter, après avoir découvert les FX de Alan, vous êtes pas prêts. Les restaurateurs, quand ils ont appris qu'Alan Food Challenge jetait tous à la poubelle entre chaque bouchée. Ouais, je sais, il y a des gens qui crèvent le feu. Qu'est-ce que t'as fait pour changer de monde? Ferme ta gueule. Au nom de la liberté d'esprit. Faut que je dise. Bah oui. Frère, ouvre, appelez pour que je suis coincé, frère. Avec toi, c'est que tu peux cacher un quartier. Tu peux cacher un quartier entier, Moès. T'es sérieux ou quoi?